Bienvenue dans le guide d'auto-installation de votre service Internet Cogeco. Installez votre service Internet Cogeco en 4 étapes faciles. Nous allons réviser ensemble votre trousse d'installation. Vous devez avoir en votre possession le modem, le câble coaxial blanc, le cordon d'alimentation pour le modem et au besoin un câble Ethernet. Étape suivante, repérez vos identifiants Wi-Fi. Vos identifiants Wi-Fi sont indiqués sur un autocollant à l'arrière ou sous votre modem. Le SSID correspond au nom de votre réseau sans fil par défaut. Notez-les, vous en aurez besoin pour accéder à votre service Internet Cogeco une fois votre modem activé. Étape suivante. Il est maintenant temps de choisir le meilleur emplacement pour votre modem. Localisez une prise coaxiale située au cœur de vos aires de vie pour une performance Wi-Fi optimale. Évitez d'installer votre modem au sous-sol, cela pourrait gêner la dispersion de votre signal. Cette prise coaxiale doit aussi être à proximité des appareils que vous devez connecter à votre modem, comme par exemple votre téléphone de la maison. Pour un meilleur signal Wi-Fi, placez votre modem à 3 pieds du sol et évitez tout obstacle ou espace fermé pouvant bloquer le signal. Branchez le câble coaxial dans la prise. Vissez-le à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Vissez l'autre extrémité du câble à l'arrière de votre modem. Veillez à ce qu'il soit bien serré. Il est temps de brancher le câble d'alimentation du modem et l'autre extrémité du cordon dans votre modem, dans l'embout correspondant. Voilà, votre modem est en cours d'activation et les voyants lumineux s'allument de façon intermittente. Comptez désormais jusqu'à 20 minutes pour que le modem se synchronise. Une fois les voyants Wi-Fi stabilisés, votre modem est prêt. Si l'ensemble des voyants de votre modem continue de clignoter ou ne s'allume pas, débranchez le modem et déplacez-le vers une autre prise coaxiale. Rebranchez-le suivant les étapes que nous avons vues précédemment, en tentant à nouveau de trouver un endroit optimal dans votre résidence. Étape suivante, il faut maintenant vérifier la qualité de votre installation. Testons donc la connexion de vos appareils au Wi-Fi. C'est le moment d'entrer les identifiants Wi-Fi que vous avez pris en note à l'étape 1. À la suite de votre installation, vous recevrez dans les heures suivantes un SMS de Cogeco vous confirmant la qualité de votre installation. En cas de signal non optimal, resserrez les extrémités du câble coaxial ou essayez une autre prise dans la maison. Pour toute autre question, vous pouvez toujours consulter notre section de support sur le site cogeco.ca. Félicitations, votre réseau Wi-Fi est désormais fonctionnel. Merci d'avoir choisi Cogeco.